Et coucou tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit peu de Splatoon et puis un peu de Dead Cells, donc l'inverse d'hier où on avait fait d'abord un peu de Dead Cells puis du Splatoon. Paf. Splatoon, on en fera jusqu'à grand max 16h vu que le Splatfest se finit à 16h. Mais si jamais j'ai envie de changer de jeu avant, je changerai de jeu avant. Je fais ce que je veux. Et oui. Bon là, pour l'instant, ça n'a pas changé. Ah, donc on est sur Serre Goémon et Hôtel Atoll. Plus le stage du moment, mais je crois que ça va pas tarder à changer. Je crois que ça change à 14h, donc en fait, on va se connecter et ça va changer de stage, donc bon. Faisons les boutiques en attendant. C'est très important de faire les boutiques. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Alors, un magnifique haut sportif blanc ainsi qu'un anorak piment rouge. J'achète tout. Ensuite, ah bah là, il y a plein de nouvelles chaussures, trop bien. Oh non, c'est trop moche. Oh non, c'est trop moche. J'achète, mais c'est trop moche. Un seul nouveau chapeau, la petite casse-quête. Bien. Bye bye. Il me semble qu'on avait toujours un bonus bouffe. On avait récupéré l'équipement spécial Salmon Run. Je trouvais plus le mot. Du coup, bah c'est parti. Et je serais bien tentée d'essayer d'utiliser les voltigeurs blancs finalement. J'ai réfléchi et je me suis dit que ça peut être pas mal. Donc, je vais essayer les voltigeurs blancs. Ouais, je vais essayer. Ah, il y a celui-ci aussi, j'avais pas vu. Et après ça change de type d'arme. Normalement ils sont pareils que des voltigeurs noirs, mais je vais les essayer quand même. Et je balance un petit sprinkler, ou je sais plus, sprinkler. Un truc qui balance de l'encre. Donc ça fera pas mal aux ennemis, sauf si ça les touche par miracle. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que je balance... Voilà. Je balance plein de petits robots. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je vais... Non, je vais pas les acheter. Je vais essayer... Je vais essayer cela. Je vais essayer cela. Et coucou indigeste. Tu leurres quand jouant un Graveyard Keeper, pas de soucis. Pas de soucis. C'est peut-être un petit peu plus sympa, ça, quand même.
Là, par contre, il y a une bonne portée sur cela. C'est vrai qu'il y a une meilleure portée. On a la bouboule. Et paf! Je peux faire un petit mur d'encre. Et l'autre, c'est quoi? C'est mine. Ça fait quoi les mines? Ah oui, je vois où sont les autres. Mais ça ne fait pas particulièrement de dégâts. Non, ça, ça fait un peu mal quand même. Mais ça fait pas spécialement de dégâts. Petit chat. Pousse ta queue, je vois rien. Bah oui! Eh ben le bébé. Il n'y avait pas l'autre là qui était pareil? Je voulais tester l'autre en fait. Là, voilà. Bon, ouais, je sais pas. On va rester sur les armes que j'ai et puis voilà. Un bébé. T'es d'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Elle en pense qu'elle me descend des épaules pour chercher un endroit où se poser. Qu'est-ce que tu fais? Un bébé. Coucou. Se frotte au micro. Allez, c'est parti. On va essayer de devenir tout à fait d'accord. Maîtresse en détente. Mais oui, bébé. Mais oui, bébé. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Cette musique des enfers. Mais qu'est-ce qu'il y a, bébé? Mais qu'est-ce qu'il y a, bébé chat? Allez, zou. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Le thème du Splatfest, c'est vacances détente ou vacances aventure? Moi, j'ai pris vacances détente, même si mes vacances au Japon seront plus vacances aventure, c'est pas grave. En vrai, je préfère la détente, mais au Japon, ce sera spécial. Ce sera pas la détente, ce sera l'aventure. Ça commence très fort. Je m'occupe des finitions.
Alors je voulais pas lancer la grenade justement, c'est pas grave. Bon moi je vais pas trop aller camper à la base comme ils sont en train de le faire, je vais les laisser un peu respirer les jaunes parce qu'ils ont l'air d'être vachement agressifs, les membres de l'équipe, donc je vais compléter la base. Ah ben voilà, on veut jouer les gentils et on se fait dézinguer. J'ai eu chaud aux fesses. Bon, ils ont pas eu beaucoup d'occasions. De percer les jaunes, donc je pense que la victoire devrait être assurée quand même. Ouais, ça me paraît pas mal, hein. Mais ils auraient pu remonter, hein, si on s'était tous fait éliminer, ils auraient pu remonter assez violemment. Mais tout va bien. Ah bah je vais aller faire nettoyer le t-shirt pour récupérer les bonus dessus. Alors. Et voilà. C'est reparti. Oh bah alors. Niveau 62 Pascal. Balèze. Allez. Je suis pas fan de ce terrain. Mais on fera avec. Et je paf.
Bon, à 2 contre 1, c'est un peu balèze, hein. Surtout quand 90% du temps je vise à côté. Ça aide pas. Ah, dommage. Alors. Ah, dommage. Ce double KO qu'ils ont fait. Ah, dommage. Je joue comme un pied. Là, il n'y a pas à dire, je joue n'importe comment. J'ai eu quelqu'un. J'ai eu quelqu'un. Bon, je pense pas qu'on va gagner là, non. Non, là. Non, mais j'avais dit, j'aime pas ce terrain. Ah, ma casquette, elle est finie. Je vais pouvoir mettre les magnifiques lunettes qu'on a récupérées. Ah oui, parfait. Attendez, vous allez voir. Regardez-moi ces superbes lunettes qu'on a récupérées hier en Salmon Run. Des lunettes octariennes. Absolument magnifiques. Parfait. On n'a pas l'air con du tout, c'est génial. Niveau 87, la vache. Ça fait beaucoup. Allez, faut du monde. Pas le fait. J'ai tellement l'air d'un con comme ça. C'est génial. Moi, je lui fonce dessus.
Non, mais c'est parce que je vois rien avec mes lunettes. C'est pour ça. Alors, j'ai pas tout compris, mais je m'en suis sorti en vie, donc c'est le principal. Ah, dommage. Il va falloir aller par là. Oh, ben non! Pas comme ça. Ah, dommage. Sont un peu en train de nous rouler dessus là. J'ai eu quelqu'un. Par contre, 2 contre 1 triche un peu. Hein. Bon, on sauve les meubles, hein. Oh, j'ai pas pu lancer ma dernière grenade du désespoir. C'était quand même plus serré qu'il n'y paraissait, finalement. Je suis magnifique. Continue. Allez, allez, faut faire le prochain match. Allez, allez. Allez! On s'ennuie! Et bien ce sera détente contre détente. Un match à la cool. Mais ouais, je pense qu'on est nombreux à avoir choisi le camp détente, à mon avis. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on a fait autant de matchs détente versus détente. Parce qu'on en a fait quand même quelques-uns. Hein. Oups!
Ah, on a quelqu'un qui ne répond pas. Je crois qu'on a quelqu'un qui soit est AFK, soit va déconnecter. Ce qui est un petit peu con. Oh zut! Ah, dommage. Par contre, ouais, avec une personne en moins, c'est quand même un peu chaud. Ah, dommage. Oh. J'ai tenté, hein. Je me suis dit avec un peu de chance, ils vont pas remarquer que je me fais la malle chez eux. Ah merde, j'ai pas eu le temps de réagir. Il fait mal, hein, ce rouleau. Il est lent, mais il fait très mal. Mais ouais, là on s'est bien bien fait rouler dessus, hein. Mais en même temps, on avait deux absents carrément, il y en a un deuxième qui a rien fait, bah tu m'étonnes qu'on ait galéré. Tu m'étonnes. À 2 contre 4, forcément. L'équilibre n'est pas là. Quand vous voulez. Et ben voilà. Toujours. Parfait. Très bien. Suffisait de râler. Oh mais non, mais pas sur la carrière caviar. Bon, on fera avec, hein.
Ah zut, j'aurais dû l'utiliser plus tôt. Oh zut! Décidément. Oh zut! Pourtant je l'ai vu à la grenade, hein, mais je me suis dit, oh ça va, je suis pas dans son. Je suis pas à portée. Oh bah tiens, je vais voir si t'es pas à portée. Paf! Ah zut! C'est pas un jour à Splatoon, visiblement, aujourd'hui. Enfin, j'ai eu quelqu'un! Ah, dommage, j'ai pas pu. J'ai pas pu le faire! Ah dommage, je pensais que... Non. Je pensais que rien du tout. Je pense que là, il n'y a plus grand-chose à faire à part se faire exploser en boucle, hein. Bon, on va espérer gagner un match quand même, ce sera bien, un jour. Ça pourrait changer un peu. Allez. Voilà, comme d'hab. Je dis allez, ils arrivent. C'est le Z. Et attention, maintenant les autres vont arriver. Allez. Allez, maintenant. Tout de suite. Bon, ça marche pas à tous les coups. Quand soudain. Oh. Des adversaires. Ou une erreur de communication. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'erreur de communication. Non, des adversaires. Très bien. Et puis là, une erreur de communication est arrivée. Ah, ils ont un déco chez eux.
Non mais oh. Qu'est-ce t'as cru? Ah, dommage. Ah dommage, j'en ai éliminé un sur deux. Voilà. Non mais où? Bon, en théorie, ça devrait être pas mal. Oui. Ça me paraît pas mal. Elle a vraiment une tête de con avec ce masque. En plus, avec les chaussures de foot dégueulasses. Moi, je dis, j'ai le look. Team. Top class. Bon, elle est là. J'ai le temps de tweeter entre chaque match. C'est un scandale. Ah bah voilà. Une erreur de communication est survenue. Ah mais je l'attends, je sais qu'elle va arriver. On n'en a pas encore une aujourd'hui, alors je me méfie.
Ah zut! J'avais oublié celui en chromojet. Est-ce que je vais résister? Non mais non, je voulais pas faire une roulade en avant, je voulais faire une roulade en arrière. Et si je roulais directement dans la bombe? Mais oui, quelle magnifique idée! Heureux du coup. Oh non! Oh bah t'as pas fini d'écrire RIP, hein. Le plus simple c'est de pas l'écrire parce que vu le nombre de fois où je meurs. Aïe. Double KO, ça me va. Bon là, on n'a même pas pu sauver les meubles, hein. On s'est fait repeindre le derrière. C'est parce qu'on est trop détendu pour ça. Ceux qui ont choisi le camp aventure, ils sont trop vénères. Tout s'explique. Voilà, on a tous un handicap de base. On est trop mou. Allez. Faut trouver des gens. Maintenant. Hey. Bon. Alors. Va-t-on se faire repeindre le cul? La réponse en image sous vos yeux ébahis.
Oh zut! Et du coup, on s'est tous fait éliminer, ce qui est très mauvais. Alors, je voulais pas faire ça. Non mais reste pas dans le tir. Ah, j'ai pas pu bouger. J'ai plus d'encre! J'avais plus d'encre. Là, je sais pas. Ouais, c'est peut-être bon. Ouais! Ah, quand même, hein, 9 kills! Ça va! Des fois je joue bien, ça arrive une fois de temps à autre, ça existe. Ouais, c'était quand même assez serré, hein.